Alors, salut, salut. J'espère que ça va bien pour vous. Je vais rejoindre Ilias Blanca pour tourner dans une de ses vidéos humoristiques. Je vous ramène avec moi. Let's go. Moi, je vous dis pas ce qui se passe, vous verrez, je vous expliquer tout à l'heure. T'improvises sur le terrain à chaque fois. Bon, allez. 8 tournages que je fais avec toi. Il improvise. Oh my god. Tout se passe sur Instagram. Hein. Ilias, tu veux parler à ma communauté ou c'est comment? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Moi, c'est Ilias Blanca. Je propose du contenu basketballistique sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Je fais également des lives sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre. Le Twitch sera juste ici. Le Instagram juste ici. Et le TikTok, juste... Enfin bref, voilà, on continue la journée. Hein. La semaine, la journée après. On a fini un tournage pour Lutz Life. Et là, on est avec Ali. T'es sacrément prêt quand même. Non, non, c'est parce que c'est le grand angle, t'inquiète. C'est ta chaîne ou la sienne? Non, c'est la chaîne. Donc, essaye de te présenter. Voilà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais pour le basket français et basket grenoblois? N'hésite pas à nous dire, donc, qui es-tu? J'ai pas l'air de rigoler là. Ok. Bah, je suis Ali. Parle plus fort. Je suis Ali. Oui. J'ai les clés du gymnase. Je suis cadreur. Pour? Ilias Blanca. C'est qui? Sur Instagram. C'est qui? C'est un gars, il fait des vidéos. Ok, Luther, il est parti là. Là, Luther, il est parti. N'hésitez pas à mettre des pouces rouges. Un max. Ok? En plus, il est monétisé maintenant. Ok? Maintenant, je vais aller filmer. Ah, t'es monétisé? Tiens, tiens. Fais une dédicace. À qui tu veux. Là, c'est la chaîne de Luther, là. Donc, qu'est-ce que tu penses de Luther? Ah, moi, je l'aime bien, Luther, hein. Il est fort au basket. Et t'aimes bien son contenu ou pas? Ouais, j'aime bien. Ok, vas-y. Dis-leur de mettre des pouces bleus. Des pouces bleus, mettez des pouces bleus. Mettez des pouces rouges, les refs. Mettez des pouces rouges. Tomorrow. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, Luther. C'est pas ce que vous croyez. On se retrouve pour ma saison basket numéro... Attends, je vais dire autre chose. Salut les Nakamas. C'est pas Nakamas, c'est Nakama. Excuse-moi. Ma saison basket numéro combien? 15. Ma saison basket numéro 15. On parle plus de championnat, de rien du tout, on parle juste... On va faire un match de basket, prenez du plaisir en le regardant. Non, plus sérieusement, on va essayer de faire un bon match. On joue contre Saint-Vallier. À l'aller, on a gagné. Là, on va voir. Et voilà. Donc, je passe la caméra à la caméra woman. Regardez ce que j'ai acheté. J'aime tellement les cornes de gazelle. Je suis désolée, Kams. Je pense que tu vas me haïr. Mais c'est super beau, un petit bouboule. Et on attend Zigoto, qui est à la boulangerie, parce qu'il a pas mangé. Il va se remplir le ventre. Avant le match, est-ce une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Few moments later. Un petit mot, Cindy Daconta? On y croit. On y croit. On y croit. C'est vrai que tu y crois vraiment. Et toi, qu'est-ce que tu as? Un jeune femme qui souvient commencer. Voilà, un petit mot. On n'a pas le choix de toute façon. La seule option c'est de gagner. La seule et unique c'est de gagner. Oh là là. Non mais si vous gagnez pas par contre. Bah, je sais pas si voilà. Vous voilà. Mais faut gagner quoi. Ouais, on va gagner. On peut plus. Ouais, on va gagner. Allez, merci. Allez les gars. Oh, arrête avec les comparaisons. Toi aussi, putain, tu commandes celui qui est sur Allez,
pour ça que ça marche pas trop cette année.
4, sache que bah, il va faire mes flots. Allez vite. El Puna.
Allez, mon bébé. Parti. Salut les boys et les girls, ça va ou pas? Ça va ou quoi? Ben, on est 5 jours plus tard, j'ai tardé à faire l'outro. Ouf! En fait cette semaine j'étais un peu malade, je me moquerai plus jamais. Avant, vous savez plutôt, j'avais tendance à dire oh, une angine, c'est quoi une angine? C'est bon, t'es juste enrhumé en fait. Plus jamais de ma vie je dirais ça. Monte tes abdominales. Non. Plus jamais de ma vie je dirais ça. Non, en vrai de vrai, une angine ça rigole pas hein. Voilà, du coup, enfin bref, là j'étais un peu malade cette semaine. Même au match dernier, j'étais un peu malade. À un moment sur le terrain, j'étais comme ça, j'avais la migraine. J'étais comme ça. Les gens, ils devaient penser que j'étais dans Dragon Ball Z. Mais non, c'était juste pour taper sur les tempes en fait. Et atténuer la douleur. Bref, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On a gagné après prolongation. Ouf, le match était un peu long. Mais bon, on a gagné. On a dit qu'on parlait pas de classement et tout ça. Je vous en parlerai un peu plus tard en fonction de ce qu'on fait ce week-end. Enfin, le week-end prochain plutôt. Contre Terre Froide, c'est un derby. Donc match contre Terre Froide la semaine prochaine. On va affronter Ibou et Benjamin Ougier et Andreas Jaillon, mes potos. Si vous voyez la vidéo, je vais vous allumer un par un, les trois. Un peu pour Ibou, hop. Un peu pour Benjamin, va là-bas. Eh non, je suis ici mon pote. Andreas, je vais dire, Andreas, tu te rappelles la dernière fois quand on défend, mec? Je le mets ça. On verra. Tu peux juste te redresser ce qu'on dirait. Ouais, mais en fait, c'est le siège. Non, mais c'était très bien. Tu filmes comme ça, alors. Voilà, carré. N'hésitez pas, faites-le en fait, vraiment qu'on grimpe dans les abonnés là petit à petit. Si vous avez des formats de vidéos à conseiller, je suis vraiment preneur là parce que l'été va arriver, on va commencer à faire beau dehors. D'ailleurs, demain je filme une vidéo avec Mathis de Under Your Game que vous devez connaître. Et voilà, on va jouer un peu dehors. Lui il fait un concept de vidéo, moi je vais vlogger la journée. Merci à vous, merci. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter pour le référencement, comme ça la vidéo est proposée au plus de monde, au plus de personnes possible. Dites-moi aussi, après j'ai fini, t'inquiète. Dites-moi aussi si vous, quel horaire vous préférez pour les vidéos le dimanche. Est-ce que vous préférez dimanche 11h ou dimanche 18h? Parce que je sais qu'il y a plus de monde vers 17h, 18h. Voilà, dites-moi, je le redemanderai dans une autre vidéo, histoire de... Au revoir. D'accord, au revoir. Salut.